Yo, salut à tous, c'est Lokan et bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne secondaire, donc qui va être tout simplement mon sentiment sur les dernières annonces d'Apple de hier, où Apple a annoncé les iPhone 13, les iPhone 13 Pro, on s'y attendait, la Watch Series 7, ainsi que les iPad et iPad mini. Là c'était totalement la grosse surprise, puisqu'on n'attendait pas les iPad mini avant le mois d'octobre. C'était censé être annoncé au moment de l'annonce des MacBook Pro. Ça fait beaucoup d'annonces dans la même phrase. Cette vidéo, quand vous voyez le petit encart bleu, c'est une vidéo faite à l'arrache, hein. Vous voyez la coiffure, vous voyez le t-shirt pour traîner à la maison gentiment, c'est pas la vidéo préparée de la chaîne principale et ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est aussi l'idée de la chaîne secondaire. Le premier point que moi je trouve important, c'est l'iPad mini. C'est vraiment le truc qui m'a le plus plu, je regarde l'exposition, c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué entre guillemets hier au moment de cette conférence. C'est cet iPad mini qui arrive avec 64 Go de stockage, 256 Go de stockage, je me souviens absolument pas les prix, mais je m'attendais vraiment à ce que ça soit plus cher. Elle existe en cellulaire, elle existe en Wi-Fi, 64-256 je vous l'ai dit, et j'ai commandé donc une version 64 Go cellulaire, puisque j'ai une carte SIM de quand j'avais testé l'iPad Pro 11 pouces, donc je la mettrai dans mon iPad mini histoire de voir à quoi ça correspond et ce que ça peut donner en fonctionnement. Je suis très fan du format 8 pouces et quelques, 8,3 pouces de l'écran et du fait que ça soit un très grand iPhone Pro Max en fait en réalité, parce que ça s'inscrit assez bien dans l'usage de niche, très clairement, que je lui réserve. J'ai un MacBook Pro 14 aujourd'hui, pas du tout, j'ai un MacBook Pro 13 aujourd'hui, avec un MacBook Pro 16 quand ils sortiront le mois prochain. Je vais être un très bon client là-dessus. Un iPhone classique, un iPhone 12 actuellement, que je remplacerai par un iPhone 13 Pro. Et en fait, l'iPad mini, moi, la semaine, ben, j'aurai un travail en octobre. J'ai quitté mon taf sur le mois de septembre pour faire des vidéos. En octobre, j'ai un autre taf qui reprend. Et l'idée, c'est d'avoir sûrement mon ordinateur portable dans le Peak Design qui est juste derrière moi. Il faudra que je vous fasse une review dessus. Et d'avoir l'iPad mini en tant que ordinateur d'appoint en déplacement, donc avec la 4G, soit pour taper du mail, soit pour écrire un article, soit pour répondre, traiter le Discord, les commentaires YouTube, etc. Il y a quand même un petit peu de taf sur une chaîne YouTube, sur un site, etc. Donc pouvoir m'accommoder de tout ça, ou juste aller surfer sur internet de manière un petit peu plus confortable que je ne le fais avec un iPhone. L'iPhone me fait chier entre guillemets, ça va pour... J'expliquais ce matin à une amie que l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'iPhone je le vois vraiment pour des interactions de 2-3 minutes max, au-delà c'est trop chiant. Si c'est une conversation par message, ça me fait chier. Si c'est, peu importe ce que c'est, de plus de 2-3 minutes, vraiment c'est pas adapté. La Watch c'est quelques secondes, au-delà c'est relou aussi. Le Mac c'est quand il faut produire ou pour tout ce qui va être supérieur à un quart d'heure. Je m'assois devant l'ordinateur, bam, je bosse par session d'un quart d'heure minimum. Et là, l'iPad en fait, elle vient s'interfacer entre ces 2-3 minutes et ce quart d'heure. Alors, c'est pas forcément des notions de temps, mais ça peut être des notions de consultation. Quand je suis à l'ordinateur, faut que j'arrête de dire toujours quand je suis. Quand je suis à l'ordinateur, au bureau, pardon, derrière, madame sait que je suis en train de bosser et que, par définition, je travaille, en fait. Donc, je suis pas disposé à ce qu'on se raconte nos journées ou à ce qu'on parle d'autre chose, etc. Je bosse réellement. Mais actuellement, le signal est biaisé. C'est bienvenu dans ma vie de couple, hein. C'est dans la vie de couple de beaucoup de personnes, des échos que j'en ai, mais le signal est biaisé parce que souvent je suis sur l'ordinateur en bas ou ici, et en fait je fais pas grand chose dessus. Donc l'iPad me permet d'avoir un device sur lequel je peux consulter du contenu, lire des articles, checker mes flux RSS, je vous ai fait des vidéos intéressantes à ce sujet je pense, et juste chiller en fait, pas faire grand chose avec un produit, juste consulter du contenu. Et quand je suis sur l'ordinateur, c'est moi qui crée le contenu en fait. Donc l'iPad me plairait vachement pour ça. Et l'iPad de 11, elle est grosse, elle est suffisamment grande pour qu'on se dise « Ah, ça pourrait être un remplacement de l'ordinateur. » Et trop petite pour que ça soit effectivement un remplacement d'ordinateur, dans mon monde à moi. Hein. Donc c'est très frustrant comme produit, surtout à 1000 et quelques balles, avec le clavier, machin, tout ça. Donc là, un petit iPad mini, il me tarde vraiment de l'avoir en main. J'attends beaucoup de ce produit, peut-être que je serai déçu aussi. Et je la vois bien, de par sa petite taille, justement, elle rentre dans la poche du dessus de mon sac Peak Design, elle rentre dans la Tech Pouch aussi, c'est pas le propos, mais elle rentre également
dans la Tech Pouch, et je la vois bien justement dans le sac à dos Peak Design, accessible par le dessus très rapidement, avec potentiellement un clavier Bluetooth Apple dans un coin pour les fois où j'ai besoin de saisir un petit peu plus de texte. Ben, en temps normal j'ai juste l'iPad, les fois où en itinérance j'ai besoin de saisir un peu plus de texte, bam, je sors le clavier, je bosse dessus, les fois où je ne suis pas en itinérance avec mon gros 16 pouces. Et donc c'est en fait toute la semaine, c'est 5 jours sur 7 en réalité. Donc ça peut être très intéressant, j'attends vraiment beaucoup de ce produit, et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Un point un peu plus perso qui n'a rien à voir du coup avec les annonces de hier, c'est que cette vidéo elle est au format 2 pour 1, c'est-à-dire qu'on est deux fois plus large qu'on est haut, c'est un ratio d'image qui n'est pas le ratio traditionnel du 16/9, c'est du 18/9, hein, puisque 2 pour 1, vous pouvez faire du 10/20, du 100/200 aussi si vous voulez, vous pouvez kiffer la live comme ça. Normalement, toutes mes vidéos jusqu'à maintenant étaient en 16/9, adaptées à des formats d'écran HD 4K, adaptées à vos télés, etc. Ce matin, Cyril sur le Discord m'a suggéré le fait de passer en 2 pour 1, puisque quand il regarde lui les vidéos sur son iPhone, ben en fait, il y a deux grosses bandes noires sur le côté de l'iPhone et on perd de la place alors que l'écran est déjà petit. Et c'est vrai que tous les gros, MKBHD, etc., même les gros français, dont je ne connais pas les noms, font des vidéos au format 2 pour 1, puisque du coup, ça permet de remplir davantage l'écran de l'iPhone, sans pour autant avoir le notch qui va venir prendre de la place sur l'écran. Et quand on est sur une télé ou un écran en 16/9, ben, y a quelques légères bandes en haut, mais ça choque pas trop les gens apparemment d'avoir ce type de bandes, puisque sur des films, on les a déjà. Personnellement, ça me gonfle énormément quand je regarde une vidéo d'MKBHD sur ma télé en bas et qu'il y a des bandes en haut, je me dis « mec, sérieux quand même ?» Mais je comprends parfaitement que s'il faille s'adapter là au device sur lequel les gens regardent majoritairement les vidéos. Et c'est mon cas aussi, puisque ce matin en regardant les stats, vous êtes 60% à regarder mes vidéos sur un iPhone, alors 40% à regarder les vidéos sur un iPhone, et on rajoute 20% de device Android, donc 60% au total à regarder des vidéos en déplacement. Pas de souci, en fait, il n'y a pas de mal à ça. Donc, c'est un test aujourd'hui de proposer cette vidéo en 2 pour 1. Vous me direz dans les commentaires, ça fait partie des moments où on teste un truc sur le Canon Classic, ce qui arrivera peut-être sur la chaîne principale. Donc, c'est pour ça que cette chaîne secondaire, moi, je la trouve super intéressante. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Enfin, il suffit qu'il y en ait un qui dise « Oui, c'est cool les vidéos en 2 pour 1 » et tous les autres, après, mettez un petit pouce vers le haut, ça suffit. Encore une fois, je cherche pas l'interaction sur cette chaîne. La principale, oui, ici, c'est juste avoir des retours, on discute, on est des grands, etc. C'est cool. Donc c'est un test, dites-moi ce que vous en pensez, c'est sûrement cool, mais voilà, j'attends votre retour. Est-ce qu'on met ça en place sur la chaîne principale aussi et du coup sur toutes les vidéos ou pas? Et le truc qui m'a le plus chauffé, je sais pas si l'iPad m'a le plus chauffé, je pense que le truc qui me chauffe le plus, ouais, clairement, le truc qui me chauffe le plus en fait, c'est Apple Fitness Plus qui arriverait en France, pas qui arriverait, qui arrivera en France et dans 21 autres pays à la fin de l'année. Alors on n'a pas de date, hein, c'est juste à la fin de l'année pour l'instant, mais je suis beaucoup trop motivé à l'arrivée d'Apple Fitness Plus en France du coup, ce qui veut dire avoir des exercices sur Apple TV, sur iPad, sur iPhone. Tant qu'on a une Apple Watch, ça marche pas si vous n'avez pas d'Apple Watch. Et ce concept est juste incroyable, moi je trouve. Et j'ai beaucoup aimé dans l'interview de Tim Cook par Justine. Elle lui demande à un moment quel est son type d'entraînement préféré sur Apple Fitness Plus. Et la réponse est géniale, c'est « je travaille dur pour ne pas avoir de favoris ». Et ça, c'est un feeling que je trouve incroyable. C'est le fait de justement tout tester, rester curieux, etc., pour ne pas avoir de favoris en fait. Et c'est ce que j'aime particulièrement avec Apple Fitness Plus, c'est qu'on paye un abonnement aux États-Unis, c'est 10$ je crois, donc en France ça sera pas forcément beaucoup plus cher, entre 10 et 15 peut-être. Et dans ces 10 à 15 euros, vous avez une quantité incroyable d'entraînement, de niveaux différents, ce qui fait que, on en parlait ce matin avec madame, je pense que chaque semaine on se fera au moins un entraînement d'un truc qu'on ne connaît pas, peut-être même qu'on n'aime pas, juste pour sortir de la zone de confort. De la méditation, du yoga, du pilates, peu importe, mais un jour, c'est le jour random, et bam, on prend un truc et en avant, quoi. Et ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, je suis en train de réfléchir depuis hier soir,
C'est faux, parce que hier soir, je me suis couché à 1h d'avoir fait la vidéo que je vous ai partagée hier soir, du coup, enfin ce matin, pour le coup. Je suis en train de réfléchir tout aujourd'hui, avec ma tête fatiguée, savoir si on tourne ici, mais là, j'ai pas d'Apple TV, j'ai juste un écran, donc bon, à voir. Si je fais les entraînements dans la chambre d'à côté, si j'aménage un peu mieux le garage et je mets une télé avec une Apple TV, overkill complet, je suis parfaitement d'accord, mais ou si les entraînements se feront au salon, mais dans le salon, on n'a pas trop de recul par rapport à la télé, donc faire les entraînements à 2 mètres de la télé, ça me fait un peu chier, surtout sur un tapis persan, on va pas se mentir. Donc c'est vraiment un truc qui me motive énormément, de voir les salles d'entraînement qu'ils ont dans Apple TV, dans Fitness Plus, c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup réagir. J'aime beaucoup l'aménagement intérieur, etc. Je vous avais partagé plein de vidéos de quand j'ai refait mon appartement. C'est vraiment des trucs qui me font kiffer et j'essaye de me projeter souvent sur le futur appart, la future maison, à quoi ça ressemblera, quelles seraient les bonnes idées, etc. Et là, c'est une mine d'or, en fait, tout ça, de tout ce qu'il est possible de faire. Donc, ça rajoute du poids au fait d'avoir le home gym au rez-de-chaussée, en sous-sol, pour pouvoir s'entraîner dans le sous-sol tranquillement. Tu te réveilles le matin à 5h, bam, tu vas t'entraîner 1h, ou tu lis 1h. Enfin, je suis en train de revoir toutes mes routines matinales et du soir. C'est un autre sujet. Se lever à 5h, lire 1h, c'est peut-être pas mal, avec un petit peu d'étirement à 6h et des bananes pour attaquer la journée direct. Et le soir, bam, entraînement Apple Fitness Plus ou CrossFit ou etc. Donc ça peut être pas mal du tout. Et après, on a les deux points qui devraient me motiver peut-être le plus, ce qu'on attendait tous en fait de cet événement Apple et qui pour autant sont cool mais pas délirant. Le premier, c'est l'iPhone 13 Pro, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo de hier, je vais commander un iPhone 13 Pro tout court en 256 Go. On ira le tester à Barcelone le week-end prochain, si je suis bon sur mes précommandes vendredi, pour qu'on l'ait vendredi prochain. L'idée, c'était déjà réservé, hein, c'était d'aller tester l'iPhone 13 Pro en déplacement à l'extérieur avec des jolies couleurs, des jolies lumières, etc. Un peu à la Pepe Garcia, dont j'adore les vidéos en fait, qui est vraiment plein de peps tout le temps, c'est très très cool. Et que disais-je, donc du coup à cet iPhone 13 Pro, le tester à Barcelone, je suis très curieux de voir ce que vont donner les optiques de cet iPhone en fait, parce que il n'est pas si révolutionnaire que ça, la partie autonomie est vraiment très très cool, il y a bien plus d'autonomie dessus, ok, mais la partie caméra, que ce soit photo ou vidéo, les optiques avec autant de gains de luminosité, deux fois plus de lumière sur l'optique grand angle, je crois que c'est aussi deux fois plus, je crois qu'ils ont dit 90% ou un truc comme ça sur l'ultra grand angle, donc 90% en plus, c'est presque deux fois plus, je me souviens plus, bref, et le téléobjectif en trois fois, je suis très curieux de voir ça, très curieux de tester à nouveau de la 4K 60 en Dolby Vision, voir ce que ça peut donner, ou même juste du 4K 30 Dolby Vision, je l'ai déjà sur l'iPhone, mais sur le 12, mais... Je sais pas, il y a des trucs qui me grattent. Je suis curieux de voir ça en fait. La macro-photographie, que ça soit justement de la photographie ou de la macro-vidéo, ça promet de faire des... Je réfléchissais à acheter un objectif macro pour vous faire, quand je fais une démo d'un switch, etc., pour prendre des photos de près, d'un port, etc. Je pense que ça peut être quelque chose de vraiment très cool. Et en fait, l'iPhone va sûrement être mon objectif macro pour les prochains mois, en attendant mieux. Et c'est même pas dit qu'il faille mieux qu'un iPhone 13 Pro. Donc il me tarde vraiment ça. Et après l'Apple Watch Series 7, moi le truc qui me plaît vraiment au taquet, c'est le fait qu'il y ait la charge rapide enfin qui arrive sur cette... Enfin, qui arrive. Elle existe déjà sur l'Apple Watch Series 6, mais qu'il y ait de la charge encore plus rapide sur l'Apple Watch Series 7. Apple a annoncé un chargeur USB-C vers Apple Watch. J'ai pas trouvé d'informations sur le fait qu'il faille absolument ce chargeur connecté à un bloc 20 watts. Pour avoir, enfin ce câble du coup connecté à un bloc 20 watts, pour avoir de la charge rapide sur la nouvelle Apple Watch, ou si en fait ce petit adaptateur Sateki que j'ai, il suffit à avoir du 20 watts, parce que c'est de l'USB-C avec encore une fois le bloc Apple. Est-ce que si je mets ça sur un 20 watts, ça marche? C'est la vraie grosse question en fait, j'en ai aucune idée, il n'y a aucune information de nulle part. Sur la page officielle d'Apple, il nous est dit que l'Apple Watch a été testé avec le chargeur officiel Apple, ce qui est logique et parfaitement compréhensible puisque c'est leur chargeur. Pour le coup, il me tarde, je pense, que Nomad propose un bloc complet avec une station de recharge à induction
et un petit truc comme ça, compatible, si tant est qu'il faille une compatibilité, si ça marche avec ça, en vrai je m'en fiche, mais si tant est qu'il faille une compatibilité, une base de recharge avec en plus le chi comme ça sur le chargeur à induction pour l'Apple Watch, qui me permettrait d'avoir une zone de recharge rapide pour l'iPhone, pour l'Apple Watch, les fois ou les soirs où c'est un petit peu juste, etc. Donc ça, très très cool. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Je crois que j'oublie rien. Je vous prends donc pas davantage de temps. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous pour tous les petits pouces sur la vidéo de hier. C'était très très cool. Continuez d'en mettre si vous n'avez pas vu cette vidéo. Bam 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 et partagez-la à plein de gens. J'ai essayé de vous faire un truc cool. Je suis plutôt content. C'est mon petit moment de confidence. Je suis plutôt content du montage. C'était tout nouveau pour moi d'intégrer des plans d'Apple, etc. Donc je trouve que ça rend plutôt bien. Hormis ma gestion de l'éclairage, ma peau grasse, etc. En dehors de ça, c'est bien. J'avais pris le mois de septembre pour réellement monter un petit peu et apprendre monter en technique et apprendre des nouveaux trucs. Je suis très content du machin de hier. Voilà. Je vous fais des bises et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.